La batterie a lâché, il était vide. C'est pour ça qu'il y aura une coupure. Pas grave, hein. Pas grave. Qu'est-ce qu'on a fait, la 65 et la 19? Tu vois, il y a du monde, hein, quand même. Enfin, tu vois, je sais pas, ouais, un petit peu quand même, ouais. Il y a du monde, hein, sur la 19, hein. Ah, c'est pas la grosse, grosse folie, mais ça bosse. Hein. Non-stop, quoi. Hein. Moins d'activité sur celle d'à côté, de plus petit. Allez. On va voir. Tchop. Tchop. Histoire de... d'en fumer, quoi. Ah ouais, celle-là, elle est belote. Hein. Là, c'est étonnant qu'elle sorte pas. En même temps, si elle est blindée de miel. Elle est belote. Marrant, ça passe pas beaucoup devant. Sauf que tout à l'intérieur, vous êtes frileux. Oh là là, le con. C'est ce que j'ai oublié d'amener des cadres. Ah, le gros con. Pouah, j'ai trop obligé d'aller en gratter dans des caisses. Ah, le boulet. Nourrisseur neuf et pas de cadre. Pouah. Là, il va lui en falloir un, elle. Ah, cette boulasse. Pouah. Ah, Dieu merci. J'en ai deux là. Enfin, deux, ouais, deux. Hop, bougez pas. Ah, la boulée, quoi. Alors là, pour le coup, tu vois, j'aurais pu équilibrer avec celle-là ou une autre, hein, à côté. Hein. Peut-être qu'on va le faire, d'ailleurs. Hein, on va voir. Comment il la ponte. Comment est la pontasse. Alors les miels que tu mets hors partition et qui sont bouffés, t'as pas de fausteignes, hein, qui viennent, hein, regarde. Tu peux le laisser tout l'hiver dedans, hein. T'as des abeilles à côté qui vont gérer. Hein. C'est pas des imbéciles. Là. Ouais, déjà sur 9, en abeille, chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, 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 ça cogne. Comme dit mon ami. Allez, allez, on se calme. Bon, bah, ça lance la visite. Hein. Ouais, non, il y a des cadres qui sont pas encore pris en charge. Ça va, ça va, ça va, ça dégueule pas d'abeilles. Ça ne dégueule pas d'abeilles. J'ai flippé pour rien. Oh là là. Ouais, bah voilà, regarde, j'ai tué une abeille. Ah, super. Pah. Ah, il y a un moment il va falloir commencer à nettoyer ça aussi, tu vois. Peut-être aujourd'hui parce qu'il y a pas mal à faire, mais il fera un peu plus chaud. En avant Guingoun. Ah, celui-là il va mériter d'être dégagé. Hein. Je te le dis, il est dégueulasse. Ouais, dégueulasse. C'est quoi il dégage lui? Ouais, c'est trop dégueulasse ça. Ah ouais, c'est sale. Pas bien. Allez, ça va dégager. Je vais le foutre à pied dans un coin. Et la prochaine fois, je le jette. Ah ouais, faut... Là, on paye un peu le manque de miel de l'an dernier. Hein. Où elles ont pas bâti. Ou voilà, ça a été la merdasse. Hein. Donc on se retrouve plein de cadres noirs. Quoi. Pas bon, hein, ça. Hein. Pas bon du tout, je vois aussi hein, d'ailleurs. Hein. Bah, la finale. Voilà. Tout à l'heure, je vais jeter la moitié des cadres. Alors, l'autre, à mon avis, il y a plus de miel. On va lui faire faire un petit tour, un petit cycle de ponte en reprise, et puis voilà. À celui-là, mais bon, pas beau. Hein. Vraiment, quoi.
Bah celui-là aussi. Hein. Oh là là. Oh. Allez, je laisse l'extérieur. Ouais, non, faut quand même donner à bâtir. Enfin, on va donner à bâtir. On n'est pas là, mais faut les virer. Hein, ces saloperies là. C'est de la merdouille. Hein. Ah bah lui aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est blindé d'abeilles et il n'est pas encore sur la ponte. Mmh. Ah, je commence à flipper les gars là. Ah, ces deux de droite ils dégageront, regarde. Tu vois, tu les as vus? Voilà, je peux te garantir que ces deux ils vont dégager la prochaine fois. Mmh. Ah, c'est trop crade tout ça. Trop crade. Ah putain, c'est le royal, d'accord. On est un peu à l'extérieur. À tous les coups de remer cette conne. Pourtant il y a de l'abeille. Hein. Alors de la ponte. Ouais, il y a des œufs. Ouais, il va falloir s'emmerder à trouver la reine maintenant. Pourquoi ils me font ça ici, celle-là? Étrange, hein? J'ai vu des œufs, hein? Des œufs du jour, hein? C'est des larves, mais c'est pas des œufs. Il y a du pollen qui rentre. Il faut vraiment que je voie la reine. Là. Je vois les abeilles aussi, elles sont pas super homogènes, mais bon. Ouais, tu vois, c'est jamais simple. Hein. Ce serait une cellule de remirage, elle serait vraiment en plein milieu. Hein. C'est pour ça, ça m'étonne. Hein. Alors, pas vu la reine, pas vu la reine, pas vu la reine. Ça. Pas pourquoi je la cherche là, mais on va quand même tirer, hein. De toute façon il n'y a pas le choix. Hein. Merde, déjà sur la paroi, pousse-toi. Je ne la vois pas, là je vois pas ce qu'elle foutrait là. C'est quand même étonnant, cette... enfin c'est au milieu de la colonie, mais parce que j'ai enlevé des cadres quoi. Le souci, cocotte, si tu remères, c'est qu'il n'y a pas de mal. Hein. Zéro mal. Hein. Allez, on fait un tour. Hein. Putain. Même à toi. Si elle m'en fait une cellule. Merde. Désolé. C'est pas pondu. Des œufs, je vois des larves là de 24 heures. Ça chie dans la semoule.
ça chie dans la semoule. On est mal les gars. Putain, qu'est-ce qu'il a ce truc? Sérieux, il y a de la propolis, il y a quoi? Il y a rien là. Ah, on est dans le caca. Si je vois pas la reine, on est dans le caca. C'est fou ça. Et des œufs du jour. Hein. Ah si, il y a un mâle. Il y a ouais, un, deux mâles. Ah, bah écoute, si tu remères, il va falloir prier pour qu'il te fasse féconder, toi. Hein. C'est vrai que nous avons fait une CV la dernière fois, j'en veux plus, non j'ai pas marqué. C'est encore une autre quoi. Attends là j'ai bien des œufs. Hein. J'ai bien des œufs. Hein. Ah ouais, j'ai des œufs verticaux. Hein. Donc, si elle est morte, c'est de peur ou de rire en me voyant arriver. Hein. C'est pas depuis 107 ans, quoi. Hein. Regarde, hein, toi aussi. Hein. Tu le vois le mal là-haut, là ? Il y en a quelques-uns, hein. Il y en a quelques-uns qui vont sortir, mais... Je trouve ça très étonnant quand même. Elle est pas au fond, elle est pas... Chiasse. Je vais la laisser hein, cette cellule. Hein. S'il y a une reine, elle éclatera, hein, sinon... Bah... Ah, puis ça c'est pendu, c'est nourri. Hein. Pondu, c'est nourrice. Hein. Pourquoi elle me la change là. Bon, ouais, je vous laisse faire. Ouais, tu vois, ça serait assez intéressant de... Hop là, de foutre ça à côté parce que si une reine, elle pondra là-dedans. Pas vu, peut-être que toi tu l'as vu, tant mieux, moi je n'ai pas vu. Ah, il y a du pollen hein, là. Non, je l'ai pas vu. Bon, bah tu vois comme quoi. Hein. Dit super, il y a une grosse colonie qui pousse bien, machin, paf.
Est-ce que le fait d'avoir trop de cadres aussi hein. Non, je suis con, hein, mais je l'ai pas vu. Hein. Je sais quoi, je vais laisser dehors ces deux là pour qu'elles me virent le miel là. Ah, je laisse, hein. On laisse la cellule. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? On laisse la cellule. Allez, c'est la fête. Alouette. Bon, bah, cas particulier. Cas chiant. Déjà, elles sont un peu nerveuses, quand même. Enfin, il y a des œufs, hein, des œufs du jour. Hein. Mais pas vu de reine, à voir. C'est une. Ah putain, non. Fifi Lac. Non. Ah si, bah peut-être alors. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ah si, c'est une reine 2020. Tant pour moi alors. Hein. Reine 2020, bon, bah, ça expliquerait la volonté de remérage. Pourtant, t'as 3 mâles et une vingtaine de... Ça bosse, hein, ça rend du pollen. Hein. Bon, bah... On les laisse faire. Hein. Attention, une CR. Reine, point d'interrogation.